Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Passemarie et on est parti pour un direct live de Dying Light, un jeu sorti récemment sur PS4, Xbox One et PC. Et comme vous pouvez le voir, j'ai mis la version originale au niveau des voix, des doublages, parce que tout simplement la version française est à chier. Bon, je pense que je vais vous la montrer deux secondes. Notamment que c'est à chier. Et voilà quoi, on s'y croit pas du tout dans ce monde apocalyptique avec la version française. Surtout la voix du perso principal est horrible. Donc voilà, on se retrouve ici. Bon, bien sûr, je sais pas très bien parler anglais, donc il y a des sous-titres français. Et donc, le jeu, je le tourne vraiment pas à fond, hein, c'est... Vu que moi j'ai la version PC, et le jeu je le tourne pas à fond. Mais il est déjà pas mal comme ça, pour tout vous dire, je suis en qualité moyenne, c'est déjà pas mal. Bien sûr j'ai mis la distance d'affichage au minimum, hein, vu que le jeu est... Ah bah tiens, c'est nouveau ça. L'esquiveur est un type d'infecté particulier qui pourrait grandement faire avancer les recherches du docteur Zer. Zer, oui c'est... C'est un nom magnifique. Il n'apparaît que de nuit, là où les infectés se nourrissent, lieu indiqué sur la carte. Si vous voulez traquer, vous devez faire preuve d'une grande prudence, car ils effraient facilement et ils courent très vite. Okay. Je crois qu'on en a déjà vu, mais bon, merci de nous rappeler. Et donc oui, le jeu, je le tourne pas à fond, hein. Bien sûr, l'anti-aliasing, je off, mais bon. Vous me connaissez, je m'en fous royalement de l'anti-aliasing. Et puis le jeu est en 720p, voilà. Et j'ai mis tout en moyen. Voilà. Et distance d'affichage au minimum. Donc voilà, c'est pas non plus un truc incroyable. Mais vous pouvez voir quand même que il a de la gueule, ce jeu. Voilà, on défonce des zombies, hein. C'est un monde apocalyptique. On est Crane, en fait, un personnage venant des forces spéciales, Alpha, Bidule Shred, je sais pas trop quoi. Cliché américain. La section Alpha. Ah, et là, je suis en train de crocheter, purée, avec de vieux crochets tout pourris. Ah, c'est pas comme dans Splinter Cell, on a un truc de ouf. Ouais, et en fait ce jeu, c'est un survival horror. À la fois, à la fois survival horror, parce que voilà, on récupère plusieurs armes pour survivre, et des équipements pour crafter. Et comme vous pouvez le voir, c'est un effet Mirror Edge, car vous voyez que c'est très plateforme, et c'est un FPS. Il y a des petites animations aussi quand on est en équilibre. Voilà, comme vous pouvez voir quand même, le jeu il est pas mal graphiquement. Même si c'est pas non plus une claque incroyable. Surtout qu'il y a d'autres jeux, comme par exemple Metal Gear Solid 5, qui mettent la barre très haute là-dessus. Sans avoir besoin d'avoir une carte graphique de ouf. Voilà. Et attention, hein, vous voyez les petites particules là blanches? Ah là, mais c'est grâce à la carte Nvidia qu'on peut avoir ça! Incroyable! Et oui, ceux qui ont des cartes graphiques de type AMD, hein, ils peuvent pas! Voilà. Bon, c'est un truc un peu inutile, voilà. C'est le petit bonus en plus d'Nvidia. Donc,
on va regarder dans la map en ne se faisant pas tuer par un ennemi aux alentours, parce que le jeu n'est pas frisé quand on regarde la map. J'ai du shuriken, mais je sais plus trop comment m'en servir, j'ai pas trop compris. J'ai eu de la chance de trouver comment le faire avant, en touchant n'importe quel bouton en fait. Bon, comme vous pouvez le voir, je suis quand même lourdement armé, hein. Un flingue avec 3 balles, attention. Non, mais de base, j'avais que des clés à molette ou des conneries comme ça. Au mieux, c'était un couteau. Mais bon, un petit couteau de merde. Un petit knife. Et en fait, c'est parce que j'avais joué avec un pote, à Dying Light, et il m'avait donné tout plein de trucs, tout plein d'armes, voilà, une batte de cricket. Enfin, voilà, c'est... Il m'avait donné une lourde arsenal. Attention. Parce que lui, il a fini le jeu. Je pars du très loin. Et c'est pour ça qu'on va découvrir ensemble. Bon là, j'appuie sur la touche A pour pouvoir voir où aller exactement. Où est-ce que j'ai marqué mon objectif. Un peu comme dans Far Cry 4, ou 3 même. Vous pouvez marquer aussi vos objectifs. Mais on pouvait les voir tout le temps, on n'avait pas besoin de toujours appuyer sur une touche pour voir. On peut aussi évoluer nos compétences en bah bien sûr en gagnant de l'XP, je sais pas trop comment, en courant, en faisant le mariole, en tuant quelques zombies. J'ai failli fail. On va faire attention en tombant. Donc oui, j'ai des armes complètement cheatées, hein. Mais bon, en même temps, on est en difficile, hein. Je sais pas ce qui m'a pris, hein. Je sais pas ce que j'ai fumé pour mettre en difficile, quand même, parce que je galère bien. Bon, maintenant que j'ai des armes de fou, c'est plus trop difficile. Oula, putain, c'est un zombie qui explose, je sais plus comment ils appellent ceux-là. Il vaut mieux s'enfuir. Ils sont trop dangereux. Faut avoir un projectile pour les avoir. Par exemple, ce que je viens de faire, la sauter sur l'ennemi, je pouvais pas le faire au début, c'est une compétence que j'ai acquise plus tard dans le jeu. Voilà, là je peux regarder. On est déjà à 7 minutes, purée. Attendez. On va bientôt arriver à notre objectif. Un objectif secondaire, bien sûr. Je vais pas vous spoiler. Si, on va continuer un peu l'histoire. Purée. Qu'est-ce qui s'est passé, purée? Qu'est-ce qu'il fout, lui? C'est un surexcité de la vie. Ok. Oh putain. Il y a des super effets de ralenti. Hein. Effets de ralentissement. C'est magnifique. Voilà, et on fouille les corps pour gagner 20 dollars. Voilà. 30 dollars. C'est magnifique. Ils me disent de descendre. Je fais n'importe quoi. C'est magnifique. Purée. Heureusement, j'ai je sais pas combien de trousses de soins. Donc c'est tranquille. Enfin, trousses de soins, c'est vite fait. C'est vite dit. Ouais, d'accord. Mais comment on lance les shurikens? Ah oui, voilà, c'est comme ça. Est-ce que ça fait exploser les barils? Ça rien du tout. Non. Oh là là! Ah bah oui. Vous voyez, il n'y a pas que des armes à feu pour faire ça. Ah voilà, donc c'est la molette. Ok, bah je vais faire pareil là. Vaut mieux les attirer, je sais pas trop comment. J'aurais dû les attirer, j'ai fait de la merde. J'ai un peu fait de la merde. J'aurais dû les attirer avec une un petit explosif. Mais... Parce que j'en ai quelques-uns. J'ai pas grand-chose au début du jeu.
J'ai des armes cheatées. C'est la chance, quand on est noob et qu'on a un pote qui lui est un vrai killer. Et purée, je trouve pas cet objectif. Comment est-ce possible? Bon, tant pis, j'ai la flemme. Les quêtes secondaires, hein, c'est trop bordélique. Je comprends. Hein. On va faire la quête principale. En faisant gaffe aux zombies autour. Bon, je vais monter plus haut. Les zombies ne sont pas assez agiles pour monter aussi haut. Ah, vous avez une magnifique vue. Alors, c'était comment déjà le logo là? Pour les objectifs principaux. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça c'est des courses, c'est des défis. Et à chaque fois, c'est des courses hyper chaudes. Bah, faut bien sûr avoir toutes les améliorations, les compétences pour réussir. Sinon, c'est pas possible. Je pense qu'il faut aller là. Il y en a partout dedans, ça c'est les objectifs secondaires aussi. Je crois qu'il y a un ennemi à la con qui va venir. J'ai entendu un zombie qui hurle. Souvent ceux-là, c'est des surexcités, voilà. C'est ceux-là. Plus de bras. Alors moi je sais pas. Je ne sais point où faut comment vous faire l'objectif et tout là. J'ai envie le marqueur. Ça sert à rien. Ah bah voilà, c'est ça. Alex a besoin de votre aide. Comment ça se fait que j'ai plus les objectifs principaux? Ah, tant pis, on va faire les objectifs qu'on voit là. Voilà, il y a encore un fou furieux qui est arrivé. Je préfère m'enfuir d'ici. Et comme vous pouvez voir, mon arme est électrique. Tout simplement parce que j'ai équipé quelque chose qui la rend électrisée. Voilà. Je sais pas trop comment expliquer. Tout est question de crafting, attention. Même si le crafting est assez simple, tant mieux. Hein. Voilà. Je pense que je ferai un vidéo test pour conclure sur ce jeu. Mais bon, je pense que je serai pas trop pressé pour faire le vidéo test de ce jeu là. Je ferai peut-être plutôt un vidéo test de Far Cry 4 avant. Voilà. Vu que j'en ai fait un du premier et un du troisième. Même si celui du troisième, je bafouillais pas mal. Far Cry 3, j'ai fait une vidéo qui durait 50 minutes et une autre qui fait 30 minutes. Donc voilà, deux parties pour vidéo test de Far Cry 3. Et j'avais du mal à dire plein de trucs. Alors que Far Cry 1, ça va. À peu près tout dit en à peu près, je sais pas, il dure 30 minutes, je crois, la vidéo. Ah, on s'en fout un peu des zombies, ils sont un peu passifs. Hein. On ne les attaque pas. Mais en fait, les zombies maboules là, qui nous foncent dessus, des survivants, hein, des survivants à l'intérieur. Attention. Ah d'accord, ceux-là, vaut mieux pas les chercher. Ce qui est bien, c'est que le perso est très maniable et on peut faire vraiment ce qu'on veut. Les animations sont quand même assez bien foutues. C'est pas non plus une révolution, hein, mais... Le gameplay est vraiment très bien fait. C'est un gameplay à la Mirror's Edge, mais avec un peu d'action. Vu qu'il y a des zombies de partout. Voilà, je crois, une plante. C'est pas une plante médicinale, mais c'est presque ça. Voilà, on récupère des trucs au pif. Magnifique Lancelot, comme toujours. C'est à la mode hein, de faire des beaux Lancelot en ce moment. Dans les jeux actuels. Ouais, on sprint.
Mais je crois que le jeu il date quand même, hein. Il date d'un an déjà. Purée. Mon Dieu. Enfin, d'un an. Peut-être un peu moins, mais. Je crois qu'il est sorti début 2015 ou peut-être fin 2014. Je ne sais plus. Exactement. Je serais pour Resident Evil Révélation 2. Et que j'attendais impatiemment Resident Evil Révélation 2. Enfin, je suis un peu déçu. Mais bon, je vous ferai un vidéo test, bien sûr. C'est pas trop pressé. Parachutage volé, ah oui, ça c'est. Des fois, on peut récupérer un peu d'items. Parce qu'il y a des comment des munitions qui ont été parachutées. Bon, des fois, la plupart du temps, il y a des Kairas qui arrivent et qui prennent toutes les munitions. Ça, c'est pas de bol. Oui. C'est pas vrai. Je joue mal au clavier souris, j'imagine pas ce que ça donnerait à la manette. Hein. Ça fait peur des fois. Hein. Il faut aller. Allez, je me souviens de cet endroit. Attention à lui. Et ça servait complètement à rien, mais je crois qu'il y avait une ouverture pourtant hein, de l'autre côté. C'est quoi cette blague? Monter en haut. Ah ben voilà. Et on voit que dalle. Super. Bon là je stresse un peu parce que s'il y a un zombie qui explose, hein, c'est pas terrible. Donc alors, faut aller où? Ah il y a une porte là-bas, ils disent. Bon, on n'y voit rien. Ah mais de toute façon j'ai ma lampe, bien sûr. Et je ne sais pas où faut aller. Ah, attention, c'est là le premier zombie explosif que j'ai vu. Donc faut être sur ses gardes. Ça se trouve, c'est comme dans Silent Hill, ça ramène plus de zombies si on allume la lampe torche. Tiens. What is it? Oh, lucky me. What do you intend to pay me with? Are you kidding? My brother and me work for ICE. You know what that means? Collecting stuff. That's all we ever did. We look for stuff. We find stuff. We take stuff. Well, we all know the whole stuff. Some of it we turn over to ICE. Some of it we get ourselves. You know, in case things go too crazy. Not like stealing. Until you got caught. We still got plenty left. Weapons, medicine, money. We got stashes all over the city. But there are some men looking for us. So I have to be careful going out. So you got a deal? I'll think about it. It will be worth your while. I promise. J'ai pas trop écouté. J'ai pas tout le complet. Donc, partez à la chasse à l'esquiveur pendant la nuit et récupérer une enchaînure en tissu. Quoi, mais c'est des fous! Ah, mais du coup, là, c'est déjà la nuit, non? Enfin, à 100% que ça va être ça. Faut aller où? Ah, non, c'est pas la nuit. Du coup, ouais, faut y aller la nuit. Du coup, on est un peu dans la merde. Parce que c'est trop hard la nuit. Surtout en difficile. D'accord, il y a un psychopathe qui me fonce dessus. Attends, est-ce qu'on peut nager? Ah ouais. C'est quoi ce truc?
Un peu chelou la modélisation. On se baigne dans de l'eau bien polluée. En même temps, c'est un monde apocalyptique. C'est très propre, très accueillant. Alors, du coup, je sais pas, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer l'autre objectif. On va voir ce que c'est. Puis donc, oui, Rice, c'est celui, comment dire... C'est un malade mental à la Vasse, hein, comme Far Cry 3. Et qui, comment dire, s'amuse à garder toute l'anthésine. En fait, l'anthésine, c'est en gros ce qui nous permet de nous soigner contre le virus, quoi, des zombies, en gros. Quand on se fait mordre. Et il en faut absolument, sinon bah, y en a qui vont se transformer en zombies, quoi, en gros. Parce que là, on est en train d'aider... Comment dire, on est en train d'aider un groupe... D'ailleurs, ça fait un petit moment que j'ai plus trop joué à Dying Light, donc je me souviens plus du nom du nom des personnages, en fait. On aide, parce qu'on les voit plus trop, là, je crois, maintenant. On est plus avec Rice. Vous êtes pas mal... leur side besogne, Price et ses hommes. Fallait souvent faire des missions. C'était un peu raboule le fric à tout le monde là, tous ceux qui vivent dans les bidonvilles. Super. On faisait le gros salaud quoi. Il faut monter sur pylône radio, attention hein. Ça c'est complètement copié de Far Cry 3 quand même. C'est-à-dire, mais là, il y a de l'abus. Un tuyau de gaz, c'est vraiment de la merde. You work for Rice, don't you? Enfin, bon, en fait, on a. Je vais passer parce que moi, j'ai déjà vu. It's not the safest line. Cette cutscene, je pense pas que ça va trop vous intéresser, c'est la vie d'un papy hein, avec son fils, là, j'ai pas trop compris, voilà. Ah, il y a un lit, on peut dormir ici. Hey, et mon pote, il a réussi à monter tout là-haut, je sais pas comment il a fait, moi j'étais en mode galère, oh, comment on monte? Comme un gros noob. Parce que du coup, là, on peut pas... À quoi que, on peut... Peut-être ouvrir le cadenas, je sais pas. Mais non. Et la nuit arrive. Les fails vont arriver. Parce que la nuit, c'est vraiment... C'est vraiment mission impossible. Et du coup... Y'a pas ma mission, là. Repos. Ah, c'est en dessous. Ah, tant mieux. Donc, ça me semble bizarre que ça soit ici. Parce que j'ai pas trop envie de combattre, là. La nuit. J'ai pas trop. Ah, fail! Oh, ce vieux fail! Bon. Fais gaffe, parce qu'il y a des zombies complètement cheatés. Ah oui, j'ai réussi! En me cassant un peu la cheville. Et voilà, on peut dormir. C'est parfait, ça. Et c'est bien, bah, quand on dort, et ben, bah, on est requinqué, hein, c'est bon, on a toute notre vie. Et c'est reparti pour un tour. Bon, ça se passe pas grand chose, hein, je suis désolé. Je
crois qu'on va faire des courses, hein, des défis, puisque en fait j'ai pas pris le bon moment de l'aventure en fait. On se fait un peu chier. On a pas trop d'objectifs, aller voir ce qui se passe à l'appartement. Voilà. On va voir ce qui se passe à l'appartement. Hein. Bon, on va essayer peut-être un petit défi et puis je pense que la vidéo se finira. Bon là j'ai la meilleure arme que je possède. Je vais pas non plus la prendre tout de suite. Prendre ça. J'ai aussi une mitrailleuse. Bon, y a mon pote qui m'a donné deux armes à feu, hein. Le flingue, le petit flingue que j'ai trouvé quand même pas longtemps après, donc j'ai eu un deuxième flingue, mais que je passais à un PNJ qui voulait un flingue. Pour que je puisse avoir quelques dollars. Et puis par la suite, ah, et puis quand il m'a passé les armes à feu, j'avais cru qu'elles étaient blindées de munitions, mais en fait, non. Il y avait rien dedans. Le vieux troll. C'est pareil, une technique pour dédoubler les armes dans le jeu. Mais je ne sais pas comment faire. Ah, on saute. On se la joue à la Mario, c'est magnifique. On va faire gaffe parce que peut-être des zombies surexcités dans les parages. Crochetage, oh la flemme. Surtout que si ça se trouve, ça donne pas des choses intéressantes. Mais c'est quoi qui nous suit là? Sprint. Et la plupart du temps, voilà, ce jeu-là, c'est ça. C'est tu sprints, tu fuis les zombies. Sauf si t'as une arme cheatée. Moi j'ai une arme cheatée, je peux tuer tout le monde. Mais le problème c'est que les armes s'enrayent assez rapidement. On peut y remédier à ça par exemple avec les compétences, pour que les armes s'enrayent un peu moins vite. Il y a une compétence là-dessus. Enfin, il y a plein de compétences différentes, c'est assez intéressant d'ailleurs. Et on peut avoir plusieurs techniques. Comme par exemple voilà, sauter au-dessus des ennemis. Comme je le fais, ça c'est très pratique et c'est une compétence qu'on a assez rapidement dans le jeu. Par exemple, d'avoir une meilleure endurance, ça je trouve qu'on l'a assez tardivement. C'est dommage. Je sais pas, je dois être à peu près à 7h, 10h de jeu même presque. Oh purée, ce vieux freeze! Et d'accord, c'est bon. Le problème c'est que c'est un jeu, faut avoir une carte graphique de psychopathe pour ne pas avoir de freeze. Hein. Zombie. Et c'est un peu ça le problème. Ah, on descend tranquillement. Purée, j'ai trop descendu. D'accord, je peux pas ouvrir. Ah, et en fait, je vous ai pas dit, mais si vous remarquez que le son de ma voix est un peu mieux qu'avant, c'est juste parce que j'ai un nouveau micro. Ah, maintenant c'est avec un vrai micro et pas un micro avec mon vieux portable. Ok, mais il faut aller où? Exactement. Bah, magnifique crochetage, hein. On trouve d'ailleurs quelques trucs pour crocheter un peu partout. Alors on voit adhésif, ça sert pas à grand chose comme ça, voilà ça, des crochets. Je pense qu'il faut descendre par là. Il n'y a même pas d'ouverture. C'est quoi cette baraque complètement fermé. Faut ouvrir ça. Bah écoutez, je ne comprends pas trop, des fois, il nous montre une baraque, mais on peut pas y rentrer.
qu'on peut se baisser déjà? Hein, ah, il y a un zombie qui va sortir d'un coup ici, hein. Ça sent ça. C'est. Bon. Je suis un peu paumé. Sprint! Ah bon, finalement, je pense pas que c'est trop un jeu à faire hein. En live là, en direct live. C'est... Si j'avance pas trop, je suis un peu paumé. Faut savoir que la plupart du temps, moi, j'y vais discret. Et pas rapidement. Même si là, je suis pas trop discret en sautant partout. Là, il faut jamais retenir la leçon dans ce jeu là. C'est pas parce que. Ça amortit bien la chute dans le jeu que ça amortit bien la chute dans la vraie vie. Faut pas sauter sur des poubelles, des sacs poubelles. Ah c'est ça, je le sens, cette baraque là. Ah, on trouve une barre chocolatée, c'est requin que le plus 2 en point de vie, c'est incroyable. Pas ouvrir. Faut pas ouvrir. Oh putain. Ah, ma boule. Elle est passée où? Ah d'accord. Mais ma boule fait tellement n'importe quoi qu'il s'est retrouvé là. Il faut encore descendre là. Et là on est en bon endroit, donc je ne comprends pas. Au bon étage. Pas ouvrir, ok, c'est complètement WTF. Hein. C'est... Que faut-il faire? Monter, faire le mariage de... sur la baraque? C'est peut-être ça. Hein. Je prends une tyrolienne. Ah, c'est intéressant. Pièce métallique. Il en faut des pièces métalliques pour réparer nos armes. Purée, mais ils sont chiants ceux-là. Pourtant j'ai pas fait beaucoup de bruit. Normalement c'est quand on fait du bruit qu'ils viennent. C'est tout. Et des fois ils viennent comme ça pour faire chier. Un peu comme là. Ah, c'est vraiment du Assassin's Creed. Et ils grimpent vraiment partout. Bon, tant pis. Hein. J'ai envie de dire. Goodbye. Ah non. Ah non, c'est pas ça. C'est pas... Ah si, pourtant, faut aller dans cette baraque. Je l'ai contourné partout, cette baraque. Elle est bien fermée. Ouais, je fais le tour. C'est fun. Alors, en dessous, y a rien. Ah. C'est pas ici. Alors, ça, c'est pas mal, ça. Ça rapporte quelques dollars. Distributeur. Enfin, le... Oh, attention, il y a un zombie. Ah, ma boule. Ah, ma boule racaille. Mais qu'est-ce qui se passe? Ok, ok, c'est la fiesta, c'est la fiesta. Okay, il y en a partout. C'est bon? Il y en a encore un en dessous, enfin non, lui ça va. Oh, mais quand même, il y a des ennemis de ouf ici. Et lui il est complètement paumé.
comme moi. Oh ça, oh, il va exploser. Oh, même pas. Oh, trop fort, j'ai jamais vu cette animation. Mais il est toujours en vie ou pas? Putain. Voilà, pas trop attaquer sur leur bonbonne, sinon ça explose et ça fait du bruit, et donc il y a plein de zombies qui viennent. Donc ça, c'est super. Et souvent, c'est les coureurs, ceux qui ne font que de courir. Je les appelle plutôt les gros mabous. Le psychopathe. Bon bah du coup on va faire une course hein, puisque bon on se fait un peu chier. Allez, celle-là. La course la plus proche. Vous allez voir comment ça se passe. Tout simplement on va se faire harceler par des zombies comme ici et on va faire une course. On est chronométré. Je vais sauter ici, ça va amortir ma chute. Incroyable. Enfin, j'ai quand même perdu un peu de vie, hein, je crois. Voilà, c'est classe. Alors, voilà. Ok, difficulté intermédiaire. Bah, déjà, en intermédiaire, c'est hyper dur, donc bon. Let's go. Oh yeah! Faut aller par là. Petit lag. Ouais, faut aller où maintenant? Défoncer ça. Ok, c'est good. Pour l'instant, ça se passe bien, même si je fais de la merde. D'accord, on peut pas ouvrir. C'est là-haut. Oh, ça va, ça passe. Hein. Vous, ça se trouve, c'est pas très dur. Encore une fois. Souvent, c'est super chaud. En même temps, faut avoir les compétences de fou. Donc, c'est où maintenant? Ici. Alors, lui, il explose, c'est super. Il y en a partout des zombies qui explosent maintenant. Les zombies explosifs. Je sais pas comment ils appellent ça. Ça se trouve, c'est juste zombies explosifs. Bon, écoutez, on va dire que ça se passe plutôt bien. Ah non, attendez. 13 sur 22 ? Non, mais c'est impossible, voilà, c'est trop dur. J'allais faire en 1 minute 25, 13 sur 22, ok. C'était quoi cette course de psychopathe encore ? Ouais. Et ça, c'est la difficulté que intermédiaire. Intermédiaire, c'est normal. Normal ou moyen, si vous préférez. Difficulté de ouf, déjà. J'imagine pas la difficulté difficile. On va fouiller ça. Franchement, j'ai plus trop grand chose à vous dire. Je pense que là, la vidéo va bientôt s'arrêter. On va bientôt faire 40 minutes. Adios amigos. Adios amigos. Hasta la vista. Ok, bon, toi. Ouais. Oh, mais purée. Mais j'arrive pas. J'arrive pas à viser la bonbonne. C'est pas possible. Allez! Bon, tant pis. La flemme. Oh putain. D'où il vient, lui? Donc, comme ça, je vous ai un peu montré ce qui était Dying Light. Hein. Vite fait.
Avec des zombies ma boule. Voilà. Des zombies très agiles, hein, pour une fois. On n'a pas l'habitude d'avoir des zombies agiles. Okay. Ouais. Et... Ah non, c'est encore un objectif de ouf. Où on trouve pas. Viens par là, toi. Peut-être par derrière. Il faut très souvent les fouiller. Hein. Parce qu'ils ont des dollars, ils ont... Ils ont des objets métalliques, hein. C'est très important. Hein. Fouiller des cadavres. Comme un vieux clodo. Et voilà. C'était les dernières paroles de cette vidéo. C'est pas bon, on va essayer une autre course. Plus facile. Bon là, je suis un peu paumé. Je ne sais point trop où aller. Partez à la chasse de l'esquiveur pendant la nuit et récupérez un échantillon de tissu. Donc en fait, il faut que ce soit la nuit. Là, il se passe rien le jour. Là, c'est que de la merde. Donc, allez, on va essayer ça finalement. Je sais pas moi. Ah, mais c'est où les bases là ? Je suis sûr qu'il y a un zombie pas loin. Ah bon. Il y en a un qui va essayer de monter. Mais... On va aller là. Ah, par là. Tiens, moi, c'est notre base, je pense. Mon ego. Je vais aller voir ce que c'est de nuit, voilà. Du coup, j'aurais pas dû dormir. Tant pis. En fait, je vais à une base pour y jouer la nuit après. Parce que ça permet de... Bon, encore un succès. Oh, mais les succès, ils sont à moitié buggés. On met des chiffres chelous derrière. Bon, V pour activer les pièges. Ça sert pas à grand chose la plupart du temps. Des fois, on peut revenir ici, voilà, pour pouvoir récupérer quelques trucs qui trouvent, oui. C'est assez intéressant. Une pelle militaire, c'est vraiment de la dope, hein, comme arme. À ce stade du jeu, ou alors en difficile, voilà. À ce stade du jeu et en difficile, c'est vraiment de la bouse, cette arme. Je vais dormir. Et là, c'est bon, c'est la nuit. 9 heures plus tard. Il a dormi 9 heures quand même, le perso. Tranquille. Ça fait quand même beaucoup. Et là, on va chasser des gros zombies. Ah, du vrai zombard. Ah, et avec l'effet de la pluie, c'est magnifique. C'est magnifique, là, on s'y croit. Ah, il faut que je prenne une meilleure arme pour ça. Une épée de gladiateur. Une épée de chevalier plutôt. On voit vraiment que dalle. On n'y voit pas un mètre. On fait des palmiers super bien foutus. J'entends un petit bruit sympathique. Finalement, je pense pas que je vais vous montrer la VF. Alors, ce sera vraiment vite fait, hein, à la fin. Putain, la voix, juste un temps de chargement, voilà. Juste pour voir la voix du personnage principal. Qui est en fait la voix d'un personnage animé. Voilà. Parce qu'il a doublé un animé, le gars. Aussi. Un animé japonais. Qui a l'air assez chelou. Et voilà, il est très...
d'après les informations que j'ai récoltées par-ci par-là. Mais où est ce zombie? Ah, bon voilà. Bon, eux par contre, ils sont vraiment balèzes, donc je sais pas si je vais me faire one shot. Ah putain! C'est pas vrai! Ah d'accord. C'est... Je crois que faut pas les attaquer. Voilà, quand on est niveau 1 et une grosse daube, voilà ce qui se passe. Ah, sérieux. Cherche à monter. Ah, c'est ces zombies-là dont je parlais. Ils sont complètement cheatés. Donc je pense pas que ce soit ceux-là qu'il faut combattre. Mais bon. Vous voyez, quand on meurt, hein, on recommence juste au dernier... refuge. Donc ça va. Et puis ça a sauvegardé tout ce qu'on a fait avant, donc... Ça nous retire que quelques points joueurs, mais bon, je sais même pas à quoi ça sert, les points joueurs, perso. Les compétences. Ouais, j'ai gagné quelques compétences. Par exemple, vous allez voir comment ça se passe. Par exemple, clôture électrique. Apprenez à utiliser les clôtures électriques piégées. Voilà, apprendre à faire des pièges, ça, je m'en fous un peu. Améliorer votre capacité à réparer, vous pourrez souvent réparer une arme sans utiliser d'emplacement de réparation. Je sais pas ce qu'ils veulent dire. Hein. Les boosters durent beaucoup plus longtemps. Ah, ça c'est bien. Je plante ça. Voilà, il y a trois types de compétences, voilà. Niveau de survivant, niveau d'agilité, niveau de puissance. C'est vraiment du même style que Far Cry 3, hein, pour ça, en tout cas, pour les compétences. Et que 4 aussi, par la même occasion. Voltige étourdissant. Tour de manivelle, évasion. Demi-volée, assommer vos ennemis de demi-volée tout en courant, appuyez sur espace pendant votre course pour sauter, puis sur E à mi-hauteur pour exécuter cette action. Donc ça c'est quoi? Ah si, ça c'est important ça. Je me fais toujours empoigner par les mordeurs. Et puis comme vous pouvez le voir, j'ai je sais pas combien d'argent. Ouais. 20 000... Alors 206 000... 78 dollars quand même. C'est complètement cheaté. Hein. C'est... Tout simplement, en vrai, on n'a pas tout ça à ce moment-là. Donc voilà, je vais vous montrer la VF. Hein. Vite fait. La VF est tellement ignoble dans ce jeu. Bon, je vous ai pas montré de grand-chose, je suis désolé, ça va pas être une vidéo terrible. Mais bon... En même temps, il n'y a pas grand chose à montrer. Donc oui, on va dans options. Ah, comme je vous avais dit, j'ai mis en moyen, voilà. Puis, distance de visibilité à 0. Je vous conseille de mettre à 0. Hein, parce que ça lag pour rien, ça. C'est chiant. Voilà. Donc. J'ai tellement rien compris aux options, des fois. C'est où? Peut-être dans commande? Non. Parti. Ah. On se demande ce que ça fout là quand même, dans parti quand même. Bon, c'est pas grave. Retour. Et du coup, je pense que c'est la version française. L'intendant m'a montré où trouver ces esquiveurs. Il me tarde de parcourir la ville de nuit. Et voilà, on se tape cette voie. Pendant tout le jeu. C'est mal effet. Une voix horrible. Je déteste ce doublage. Et puis c'est pareil pour les persos. Les doubleurs, franchement, c'est pas de la haute volée. Hein, pour ce jeu Dying Light, hein, la version française. La version originale elle est pas sensationnelle aussi. Bon, on va dire que c'est potable, ça va. Que la version française, c'est un peu ignoble. On entend aussi le point faible de ce Dying Light, c'est la modélisation des personnages. Là, vous le voyez pas trop, donc là, on voit un peu. La peau est très huileuse et des fois, elle fait très plastique. C'est très chelou.
Donc voilà. Et la modélisation des persos, c'est pas sensationnel. Et à part ça, voilà, au niveau des décors, au niveau de l'ambiance, avec les zombies, c'est assez sympa. Même si personnellement, je commence un peu à faire une overdose de zombies, là, il y en a un peu trop hein, en ce moment. Un peu trop de jeux de zombies. Et donc, je pense pas, à part les Resident Evil que je prendrais, mais je pense pas que je vais acheter trop de jeux de zombies à côté. Dans le futur. Bon voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Sur ce, je vous dis à l'Armoyeur pour de nouvelles aventures. Bon, d'un côté, je vous conseille ce jeu, il est assez sympa. Mais pour ceux qui en ont un peu marre des jeux à ambiance morbide avec toujours plein de zombies, je vous le déconseille. Parce que bon, il est très classique hein, niveau scénario, hein, ça vole pas bien haut. Donc voilà, sur ce, à l'Armoyeur.